Salut Tracker, une toute petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle massue que j'ai achetée pour randonnée. C'est une massue qui est vraiment hyper costaud, hyper solide et qui pourra vraiment vous servir en randonnée. Alors, on n'est pas loin du 1er avril, je me suis dit que je pouvais la faire. C'est pas vraiment une massue que j'ai achetée, quoique elle pourrait servir de massue. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, tiens, t'as fait fort, Pierre. Pour ceux qui me suivent avec assiduité, c'est bien. Vous le savez peut-être, sur le tour du Mont Blanc, j'avais explosé ma perche selfie, ma petite perche selfie. En fait, c'était surtout, vous savez, les petits clips comme ça qui permettent de maintenir le téléphone portable. Celui du haut avait cassé le premier jour, je crois, de ma randonnée, ou le deuxième jour. Et c'était devenu très compliqué de filmer. Alors, il fallait soit que je mette un petit scotch pour faire tenir le téléphone, soit que je me filme à bout de bras. Alors, c'était pas toujours évident parce qu'à bout de bras, forcément, bah déjà d'une part, c'est un petit peu fatigant de marcher, de tenir comme ça à bout de bras. Et puis surtout, j'étais quand même très très focus, très gros plan sur moi, ce qui n'était pas forcément génial. La perche selfie, elle me sert aussi lorsque je veux vous montrer, que je veux vous montrer Pierre en train de marcher. Parce que c'est vraiment formidable à voir. Donc voilà, il y a le randonneur qui part ou le randonneur qui vient. Ça vous permet de montrer un petit peu le vlog avec l'environnement. Donc ça, c'est toujours sympa. Et forcément, avec cette perche selfie, c'était devenu un peu compliqué. Je me suis dit que j'allais racheter une perche. Et en rachetant la perche, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes sur cette perche? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aimais tout. Tout était vraiment génial. Elle était bien, elle était pratique, elle était facile d'usage. Il y a deux trucs qui m'embêtaient. La première chose qui m'embêtait, c'est qu'elle ne monte pas très très haut. Elle monte à 85 cm. Et 85 cm, c'est un petit peu léger. Alors pas tant quand vous tenez à bout de bras, parce que 85 cm, c'est vraiment suffisant pour faire un vlog et puis pour être tranquille. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que je voulais filmer en posant la perche selfie, ça filmait toujours un peu à ras de terre. Et à des moments, j'aurais bien voulu être un petit peu en hauteur. À des moments, j'étais sur un chouette endroit, mais j'avais des herbes hautes. Et comme ma perche était très basse, j'étais à moitié dans les herbes, donc j'aurais bien voulu une perche qui montait un peu plus. Et également, à des moments, je voulais me filmer à une certaine distance, les mains libres en parlant. Et donc, j'aurais voulu la poser au sol. Le problème, c'est que comme elle monte 85 cm, voilà, hormis filmer ma braguette, ce qui n'est pas forcément hyper pertinent. Enfin, en tout cas pour ces vidéos-là. Voilà, c'était bon. C'était 85 cm, c'était pas top. Le deuxième inconvénient, c'est celui-ci, c'est que l'empattement est très très faible. Les tiges vous donnent un petit rayon de 10 cm seulement. Et 10 cm, c'est vraiment pas terrible. Sachant que vous allez avoir un poids qui est quand même assez conséquent, le poids du téléphone en hauteur, que vous allez excentrer. Le poids par rapport à la base. Donc il suffit que vous ayez un petit écart de 1 ou 2 degrés à la base, parce que le sol est pas plat, il y a des petits cailloux, il y a des choses comme ça. Forcément, au bout de 85 cm, ça commence vraiment à pencher. Et avec un poids assez lourd par rapport à une perche, celle-ci fait 162 grammes. C'était compliqué, j'avais vraiment vraiment pas de stabilité et pour être complètement honnête avec vous, il y a plein de fois des endroits où je voulais filmer et j'ai laissé tomber parce qu'au bout de 2-3 minutes à essayer de positionner ma perche selfie, ça tombait tout le temps, ça me saoulait. Donc les desiderata étaient une perche un peu plus longue, ça c'était intéressant sans être vital, mais par contre avec un empattement beaucoup plus important. Et j'ai trouvé la super Massue 4000. Donc la Massue 4000, elle est géniale parce que elle monte à 1,35 m. Bon, là, vous voyez plus. Je vous ferai peut-être une vidéo à part. Elle monte à 1,35 m. Donc ça, c'est génial parce que, bon, pour tenir à la main, c'est pas vital. Mais par contre, c'est vrai que dès que vous la posez, comme elle monte quand même très très haut, hop, ça permet vraiment de filmer quasiment à hauteur d'homme. Et j'ai plus ce sentiment de contre-plongée que j'aimais pas toujours. Parfois, j'aime bien. Mais j'aimais pas toujours. Là, l'avantage, bien sûr, c'est que si je veux filmer à ras de terre, je peux. Si je veux filmer à hauteur d'homme, je peux. Donc ça, c'est top. L'avantage
principale de cette perche, c'est son empattement. Alors là, vous voyez l'empattement. 21,5 cm, donc du centre jusque là, on a des rayons de 21,5. Donc ça nous donne un super empattement. Et le super empattement, il y a deux choses très intéressantes. C'est que d'une part, si vous avez un terrain qui n'est pas super plat, elle reste quand même très très stable. Si jamais vous avez un peu de vent, ben, ça tient, quoi, c'est nickel. Et même avec un poids, le poids du téléphone en hauteur, comme elle est très stable, eh ben, elle ne va pas commencer à tomber. Je vous avoue qu'avec cette perche selfie, j'ai fait tomber plusieurs fois mon téléphone. Alors ça a deux ennuis. Le premier, c'est que forcément, c'est toujours un risque d'aller casser son téléphone et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et le deuxième truc, c'est que votre téléphone tombe, vous devez revenir, vous remettez, patati patata, ça fait perdre un temps de dingue. Donc voilà, ça je trouvais que c'était génial. Le souci, c'est que ça fait 162 grammes et ça fait plus de 400 grammes. Et c'est là où on arrive sur le terme. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, Pierre, t'as acheté un monstre, quoi. Parce qu'elle est vraiment. Elle est énorme. De tout point de vue, c'est-à-dire que l'empattement est génial, la hauteur est géniale, mais elle est vraiment très très lourde et ça c'est rédhibitoire. Alors elle a tout ce qu'il faut, je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut. Je vous mettrai le lien en descriptif avec des petites infos. Elle a bien entendu la petite télécommande qui vous permet de faire des photos à distance. Donc moi j'en ai fait régulièrement sur le tour du Mont Blanc avec celle-ci qui en avait aussi. C'était un des desiderata. J'ai pu me faire quelques petites photos sur le GR30 aussi. J'ai fait des photos pendant que j'étais en train de prendre une petite collation. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut se prendre en photo et c'est bien. Elle a bien entendu le petit haut qui permet de fixer l'appareil photo, le téléphone portable, et le petit haut qui peut se tourner dans tous les sens, qui peut bouger, vous pouvez filmer ou faire des photos verticalement, horizontalement, vous pouvez l'incliner un petit peu en fonction de l'orientation de votre perche. Donc elle est vraiment top. C'est typiquement la perche que j'utilise quasiment tout le temps au studio quand je veux me filmer. D'habitude, je me filme avec mon téléphone portable et avec cette perche-ci. Pour les vlogs, là j'utilise mon appareil photo et ce qu'on appelle une potence en photo, un pied colonne. Je m'en sers pour les petites randos à la journée, parce que c'est 400 grammes mais c'est rien par rapport à un petit sac pour une rando à la journée. Je commence à m'en servir en vélo, parce que l'avantage de m'en servir en vélo, c'est que comme elle permet de l'excentrer énormément, ça me permet de filmer et de filmer l'entourage et de filmer le vélo. Sinon, vous avez juste un gars qui est en train de faire ça et vous vous demandez un peu ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est pratique. Par contre, le poids est rédhibitoire. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer ce que j'avais acheté, pour vous montrer aussi que parfois, moi aussi, je fais des conneries et j'achète des trucs qu'il ne faudrait pas que j'achète. Je ne peux pas la prendre sur le GR20 ou je ne peux pas la prendre sur d'autres GR que je voudrais faire. Allez. Pourtant, vous savez que je ne fais pas trop trop attention au poids, mais là, 200 grammes de plus que celle-ci. Faut pas déconner. Je vous fais la vidéo pour vous montrer mon expérience et je vous fais la vidéo pour me dire donnez-moi une bonne adresse, donnez-moi une bonne référence de perche selfie. Dites-moi ce que vous utilisez. Alors je sais qu'il y a des randonneurs qui utilisent leur bâton de marche. Alors ils ont ce qu'on appelle des gorapodes. J'en ai un. Je vous montrerai en incrustation, je vous montrerai. Donc c'est voilà, c'est un petit trépied qui vient s'accrocher sur les bâtons de marche et ensuite on peut filmer avec. Le seul souci, c'est que je ne sais pas comment font les gens, moi je dois être stupide, mais régulièrement quand je veux planter mes bâtons, eh ben, j'ai toujours un sol qui est hyper caillouteux, qui est hyper dur et tout, et il y a plein d'endroits où je ne peux pas le faire. Et c'est embêtant parce que quand je randonne, vous savez que je fais tout un petit peu au feeling et à l'instinct. Quand je randonne, à des moments, je dis « Ah ouais, ça, il faudrait que je leur dise !» Et bam, je plante mon truc et je vous le dis. Ou alors, je vois un chouette paysage et j'ai envie de dire « Ah ben là, ce serait bien si tu marchais, comme ça, il y a une belle lumière et tout. » Et j'ai pas envie de dire « Ah ben non, tu peux pas planter ton bâton de marche, t'attendras un petit peu plus loin. » Voilà, donc je sais pas comment font les gens d'habitude. Je sais pas si vous faites comme ça avec un bâton de marche et un gorapode. Dites-moi comment vous faites. Dites-moi si vous avez une bonne marque de perche selfie. Encore une fois, celle-ci, elle est chouette si vous sortez à la journée. Chouette pour chez vous parce qu'elle est, c'est hyper stable, c'est costaud, ça tombe pas. Enfin, j'ai fait plein de tests et elle est géniale pour ça.
mais elle est un peu lourde pour partir voilà, en autonomie, en bivouac, sur des longs parcours de plus de 30 bornes dans la journée. C'est un peu chaud. Le truc qui m'intéresse le plus, c'est l'empattement, pour qu'elle soit la plus stable possible et que je puisse le plus facilement poser mon téléphone. Donc si vous avez un empattement de 10 cm sur votre perche, ça ne m'intéresse pas trop. Si vous avez 15 cm ou 20, c'est vraiment génial. Qu'elle monte à moins de 35, à 1,35 m, ce n'est pas vital. Voilà, bah, j'espère que c'est un retour qui vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez et dites-moi en commentaire si quand j'achète des trucs qui ne sont pas pertinents, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous me dites, bah non, si c'est pour nous dire que c'était pas terrible pour la rando, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et ben on se revoit très bientôt. Salut!